Bon, eh bien, le docteur Goddard vient de signer sa déposition. Alors, vous êtes libre, monsieur Higgins. Et je vous cache pas que le témoignage du docteur Goddard m'ôte un poids. Non, sincèrement, inspecteur McGlynn, vous ne pensez pas que j'étais coupable. Vous connaissiez depuis votre nomination à Castlebridge. Ça va faire une bonne quinzaine d'années. Oui. Et depuis ce temps-là, vous êtes venu souvent passer des soirées chez moi, Doris Manor. Ben oui, mais vous savez bien que dans notre damnée profession, nous n'avons pas le droit d'avoir des amis. Ouais, je sais, je sais. Mais vous me voyez organisant une partie de chasse à seule fin d'assassiner Percy Lone, c'est-à-dire l'un de mes invités. Ah ben, vous auriez pu n'avoir rien prémédité du tout, puis en vous trouvant face à face avec Percy Lone, c'est souvent l'occasion qui fait le criminel. Non, McLean. À moins d'être un déséquilibré... On ne commet pas un meurtre sans motif. Ah oui, mais vous en aviez un, Higgins. Vous en aviez un. Eh bien, le plus sérieux de tous, le motif passionnel. Hein? Et que voulez-vous dire? Alors, Higgins, prenez pas pour un imbécile. Oui, je sais bien que mon apparence physique un peu somnolente peut laisser croire que mon cerveau n'est pas plus agile que mon corps, mais faut pas s'y fier. Mais je ne vous ai jamais sous-estimé, inspecteur. Et que savez-vous, au juste? Oh, rien qu'une chose. Vous étiez amoureux de la même femme, cette jeune Pamela Kiefer, qui fait également partie des invités que vous hébergez en ce moment à Doris Manor. Hein? C'est une actrice, je crois. En effet. Mais je peux compléter votre information, McLean. Miss Kiefer et Percy Lone ont en effet songé à se marier, et puis ils ont changé d'avis. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que j'ai... Fait acte de candidature. Voilà. Toujours fair play, Higgins. Bon, enfin, de toute façon, ceci ne me regarde plus, dès l'instant où vous n'êtes plus l'assassin de Percy Lone. Oh, l'assassin, c'est un grand mot. Percy me semble avoir été tout simplement victime de l'accident de chasse. J'en suis pas aussi convaincu que vous. D'abord, le coup de fusil qui a tué M. Lone a été tiré de très près. De si près même qu'un accident ou une erreur me semble exclu. Ensuite, s'il s'agissait d'une tragique méprise, voulez-vous me dire pourquoi l'auteur de cette méprise ne s'est pas encore fait connaître, hein? Non, croyez-moi, cette affaire n'est pas claire et je compte beaucoup sur les conclusions du médecin légiste pour en savoir plus long. Enfin, quoi qu'il en soit, ces problèmes ne vous concernent plus, Alan Higgins. Le témoignage du docteur Goddard vous a mis hors de cause. Tiens, et d'ailleurs, voici votre sauveur qui vient vous chercher. Non, Higgins, j'espère que cet inspecteur de police n'a pas découvert une autre raison de vous retenir ici. Non, rassurez-vous, docteur, je vous attendais pour quitter le bureau de l'inspecteur McLean. Un dernier mot, monsieur Higgins. Quoique vous n'ayez sans doute pas l'esprit aux mondanités, je vous demanderai de ne rien changer aux dispositions que vous aviez prises à l'égard de vos invités. Bien. Hein? Il m'est assez commode de les avoir sous la main. Parce qu'après tout, l'assassin de Percy Lone est forcément parmi eux. Et voilà, à bientôt, messieurs. Oh, Alan, ils vous ont relâché. Que je suis heureuse. Et vous pensez qu'ils allaient me conserver assez longtemps pour que vous ayez l'occasion de me porter des oranges? Nous étions désolés, Alan, de ce qui vous est arrivé. Après la mort tragique de Percy, votre arrestation, nous avons été comblés. Oui, en tant que maître de maison, je me rends compte que mon week-end commence mal. Mais je suis cependant obligé de vous demander de demeurer à Doris Manor, même si vous y éprouvez une répugnance bien légitime. Oh, voyons. Alan, je voudrais vous parler. Pouvons-nous aller dans la bibliothèque? Mais bien sûr, Pamela, que se passe-t-il? Vous semblez bouleversée. Il faut que je vous parle seule, et le plus vite possible. Bon, je vous suis. Eh bien, chère Pamela, que signifie ce ton mystérieux? Je comprends que la mort de Percy vous ait bouleversée, mais il faut vous ressaisir. Je suis là pour vous y aider. Oh, c'est un cauchemar, Alan. Un cauchemar. Je me demande si je vis ou si tout cela se déroule dans mon imagination. Enfin, Pamela, entre Percy et vous, tout était fini depuis des semaines. Vous me l'avez dit spontanément en arrivant ici hier matin. C'est exact. Percy et moi, nous étions mépris sur nos sentiments. Au fond, Percy était un excellent ami pour moi et je crois que je ne l'ai jamais aimé. Même de son côté, ce qu'il cherchait en moi, c'était... Mais ne croyez-vous pas que toutes ces discussions sont superflues à présent? Heureusement, vous êtes là, Alan. Quand je pense à tout ce qui s'est passé depuis hier, oh, j'ai peur. Pamela, je vous en prie. Il faudra oublier le passé, ma chérie.
Ce malheur est infiniment regrettable, mais vous n'y êtes pour rien. Vous avez besoin de retrouver votre sang-froid. N'oubliez pas que vous êtes venu ici, à Doris Manor, pour vous reposer. Alan. Alan, que vous a demandé l'inspecteur? D'abord, si j'avais tué Percelon. Et quand je lui ai répondu non, il m'a demandé qui, à mon avis, avait pu faire cette horrible chose. Vous voyez, rien que de très banal. Et lui, il ne sait pas qui a tué? Vous savez, McLean ne me fait pas ses confidences. Pourquoi me demandez-vous cela? Auriez-vous une idée de l'identité du coupable? Comment voulez-vous que je le sache? Je ne suivais même pas la chasse. Oui, je sais bien, Miss Kiefer, que votre état de santé vous a empêché d'assister à la partie de chasse. Aussi est-ce plus une opinion qu'un témoignage que j'attends de vous. Je vous l'ai dit tout de suite après le drame, inspecteur. Oui. Percy et moi avions cessé de nous voir depuis quelques semaines. Nous estimions qu'un certain délai s'imposait après la décision que nous avions prise. Je n'ai donc eu aucun contact avec M. Lone jusqu'au moment où je l'ai retrouvé ici. Mais excusez-moi d'insister, Miss Kiefer, mais dans ma damnée profession, ce sont souvent les gens qui ne savent rien qui m'en apprennent le plus. Quel climat moral régnait entre vous et Percy Lone? Nous avions fait fausse route, Percy et moi. Nous aurions dû prendre tout de suite le chemin de l'amitié. Oui, mais me dites-vous cela à cause d'Alan Higgins? Alan... Monsieur Higgins n'a rien à voir dans ma rupture avec Percy. Si c'est cela que vous voulez insinuer, inspecteur. Oui, mais c'était cela, en effet. Et savez-vous si, depuis votre rupture, les rapports entre Percy Lone et Alan Higgins s'étaient modifiés? Je croyais qu'Alan était reconnu innocent depuis le témoignage du docteur Goddard. Et qui dit le contraire? Ah tiens, à propos, vous le connaissez, ce docteur Goddard? Je l'ai consulté à Londres. Oui, une ou deux fois. Et c'est un spécialiste du système nerveux, je crois, hein? Oui, je crois. Écoutez, à quoi vont toutes ces questions, inspecteur? Vous ne voyez pas que je suis à bout de nerfs. Décidément, la mort de Percy Lone semble vous avoir affecté plus que les autres témoins du drame. Excusez-moi de vous interrompre, McLean. On vous demande au téléphone du commissariat. Ah bon? Mais bonjour, je vous pouvez prendre la communication d'ici. Ah bon, merci bien. Pamela, que se passe-t-il? Je vous expliquerai, Alan, plus tard. Oui, ici McLean. Asseyez-vous, sergent. Vous me passez le médecin légiste, d'accord. Oui, allô? Ah, bon, docteur, et c'est terminé? Alors? Oui. Ah, non, surtout pas. Hein, non, je viens tout de suite, attendez-moi. Monsieur Higgins, j'interromps provisoirement l'interrogatoire. Ah, un fait nouveau, inspecteur? Vous avez votre assassin? Non, pas encore. Je suis pas un génie, moi, mais j'ai de la patience. Et avec un peu de chance, dans la plupart des cas, c'est suffisant. Alors, à bientôt, Higgins. À bientôt. Non, me reconduisez pas, moi, mais je connais le chemin. C'est vous, Alan. Oh, vous m'avez fait peur. Pamela, mais que faites-vous à minuit dans la bibliothèque? J'ai entendu marcher de ma chambre et je suis venu voir. Mais je ne m'attendais pas à vous trouver, vous. Vous m'avez dit après le dîner que vous tombiez de fatigue. Je me suis mise au lit, mais je n'arrivais pas à dormir. Quand je m'assoupissais, c'était atroce. Le visage de Percy m'apparaissait. Son visage mutilé par un coup de feu... Comment savez-vous que son visage a été mutilé? Vous ne l'avez pas vu. J'ai évité soigneusement de vous donner des détails. Mais l'inspecteur McLean m'a expliqué. Oh, c'était atroce. Pamela, il faut que vous me disiez la vérité. Vous aimez encore Percy, n'est-ce pas? Non, Alan, non. Je ne l'ai jamais aimé. Vous savez bien pourquoi. Dès l'instant où nous nous sommes rencontrés, vous et moi, il m'a été impossible de détourner ma pensée de vous. Écoutez, vous écoutez Mystère Radio. Vous êtes épuisé. Vous avez besoin qu'un homme veille sur vous. Oh oui. Comme j'en aurais besoin. Je ne peux pas.
Je ne peux pas accepter ce que vous m'offrez. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Je vous aime, vous le savez. Oui. Dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai compris que pour vous conquérir, j'étais capable de tout. De tout? Oui, de tout. C'est très grave, ce que vous me dites là, Alan. Mais je le sais, Pamela. Je vous adjure de parler. Depuis ce qui est arrivé, votre attitude est inexplicable. Vous savez quelque chose et vous devez me le dire. Oh, c'est affreux. C'est trop affreux, Alan. Et qu'est-ce qui est affreux? Continuez, je vous en prie. Alan, c'est moi qui... C'est moi qui... Quoi? Oh non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait, Pamela? Que s'est-il passé? C'est moi qui ai tué Percy. Oui, Alan, c'est moi. Oh non, ce n'est pas possible. Non. Oh non, c'est incroyable. Mais d'abord, vous ne suiviez pas à la chasse. Vous étiez resté dans votre chambre avec une horrible migraine. C'est un prétexte, Alan. En réalité, j'ai guetté le départ des chasseurs derrière les volets de ma chambre. Je les ai laissés prendre un peu d'avance. Et puis, sans bruit, je me suis glissé hors du château. Je tenais mon fusil caché sous mon manteau. J'ai pu m'approcher sans difficulté de Percy. Pamela, vous aviez l'intention de tuer Percy? Oh non! Non, non, seulement de l'impressionner. De le menacer. Percy détenait certaines lettres de moi, des lettres qu'il ne voulait pas me rendre. Quand il s'est aperçu des sentiments que je vous portais, il est devenu fou de rage. Il m'a dit que jamais il me laisserait partager la vie d'un autre homme. Oh, c'est étrange. Avec moi, il se montrait cordial. Il avait accepté mon invitation avec empressement. J'ai l'impression, en vous écoutant, que vous me parlez d'un autre homme que je ne connaîtrais pas. Oh. Aussi, il était d'un caractère dissimulé. C'est ce qui m'avait éloigné de lui. Mais il avait une volonté de faire. Il avait menacé de vous montrer mes lettres. Et quand je l'ai retrouvé chez vous, je pensais que l'occasion était favorable, qu'il se laisserait peut-être fléchir. Je l'ai donc rejoint à la chasse. Il a été très surpris. Que vous a-t-il dit? Quand il a su ce que je voulais, il a éclaté de rire. Et puis il m'a insulté, grossièrement. J'étais révoltée, hors de moi-même. Alors je sais plus très bien ce qui s'est passé. Je me revois seulement en train d'appuyer sur la gâchette. Oh, oh, c'est affreux, Alan. Oh, c'est un cauchemar. Allons. Pamela, ma chérie, qu'avez-vous fait? Oh, c'est terrible. Alan, Alan, ne m'abandonnez pas. J'ai tellement besoin de vous. Si vous pouvez m'aimer encore, après ce qui s'est passé. Mon chéri, dans toutes les circonstances, je demeurerai auprès de vous. Soyez-en convaincus. Il faut que nous prenions une décision. N'avez-vous pas songé à raconter la vérité à l'inspecteur MacLean? Mais il ne m'aurait pas cru. Comment prouver que mon geste n'était pas prémédité? Non, tout m'accuse. Tout est contre moi. Oui, sans doute. Mais voyons essayer de vous souvenir, chérie. Que s'est-il passé après? Oui, quand Percy est tombé. Je suis demeurée un instant comme pétrifiée. Et puis j'ai eu un réflexe de sauvegarde. Je me suis enfuie. J'ai couru comme une folle jusqu'au château et... Je me suis enfermée dans ma chambre. Personne ne vous a vu? Vous en êtes sûre? Non, non, j'avais laissé la porte-fenêtre de ma chambre entrouverte. Je n'ai eu qu'à la pousser pour rentrer. Et l'arme? Je m'en suis débarrassée, en l'achetant dans un des massifs de rhododendrons dans le parc. Vous portiez des bottes? Oui. Ah, elles doivent être couvertes de boue. Oh, mon Dieu, j'y avais pas pensé. Il faudra les nettoyer vous-même avec soin. Demain matin, à l'aube, nous chercherons votre fusil dans le parc et je l'enterrerai. Alan, Alan, vous voulez bien m'aider? Vous n'avez pas peur des conséquences? Je ne peux pas supporter l'idée que vous alliez en prison. Personne ne sait que vous avez rejoint la chasse. Nous avons une chance de réussir. Ne bougez pas. Je vous préviens, je tire juste. Ah! C'est vous, James. Ah! Docteur Goddard, vous avez fait peur. Quelle idée de braquer sur les gens un revolver en pleine nuit. Non. Pardonnez cette brutale intrusion,
Mais j'ai entendu marcher dans la bibliothèque et je me suis demandé si par hasard ce n'était pas notre assassin. N'oubliez pas qu'il rôde autour de nous. Non, vous lisez trop de romans policiers, mon cher. Sur ce, allons nous coucher. Excellente idée. Mais ce qui est fait me paraît ivre de fatigue. Avez-vous besoin de mes bons offices, cher ami? Non, non. Non, merci, docteur. Ça ira très bien. Comme ceci, Alan. En couvrant avec des feuilles mortes. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Ce sera bien le diable si on s'aperçoit que la terre a été remuée dessous. Voulez-vous que je vous aide? Non, non, non. Non, c'est pas la peine. Vous feriez mieux de rentrer, Pamela. Il fait un vent glacial. Puis si on nous voyait ensemble à cette heure matinale, ça pourrait sembler curieux. Non, je préfère rester avec vous. Dès que vous vous éloignez, il me semble que je suis plus en sécurité. Ayez confiance, ma chérie. Je vous tirerai de là. Alan. Oui. Si on découvrait votre rôle dans cette affaire, vous seriez accusé de complicité. Peu importe. Désormais, nos destins sont liés. Voilà. Ça y est. Impossible de rien distinguer maintenant. Eh ben, monsieur Higgins, alors, on fait du jardinage dès l'aube? Ah. Ouais, je suis un campagnard, inspecteur McGlenn. Et pour rien au monde, je ne voudrais manquer le rendez-vous que la nature donne chaque matin à ceux qu'il aime. Eh, je vois ça. Puis vous avez réussi à faire partager vos goûts à Miss Kiefer. Oui, mais justement, Miss Kiefer allait rentrer. Ah, bah, pouvez-vous demeurer encore un moment, Miss Kiefer, hein? C'est à vous que je voulais parler. À cette heure, monsieur l'inspecteur? Oh, bah, dans ma donnée profession, il n'y a pas d'heure. Et puis, vous semblez parfaitement éveillé, là. Je vous observais tout à l'heure de loin. Vous prêtiez une attention passionnée aux travaux de jardinage de monsieur Higgins. Mmh. McGlenn. Hein? Oui. Que voulez-vous savoir de Miss Kiefer? Vous inquiétez pas, Higgins. Miss Kiefer est assez grande pour répondre toute seule. Puis d'autant que la question que je vais lui poser est d'ordre... Enfin, disons, d'ordre subjectif. Je vous écoute, monsieur l'inspecteur. Voyons. Pouvez-vous me dire qui était Percy Lone? Enfin, je veux dire, qui il était réellement? Et vous me l'avez, je crois, déjà demandé. Et je vous ai répondu que je n'en savais rien. Ah oui, mais qui mieux que vous pourrait le savoir? Mais ce n'est pas parce que Pamela a été fiancée avec Percy qu'elle peut le connaître mieux que nous, ses amis. Oui, écoutez, monsieur Higgins, c'est à Miss Kiefer d'en décider. Alors, qui était Percy Lone, Miss Kiefer? Un brillant homme d'affaires. L'argent l'intéressait plus que tout. Pour la seule joie de le posséder. C'était une forte personnalité, comme on dit de ce genre d'homme. Oui, mais cette soif de puissance n'empêchait pas les sentiments. Comment se comportait-il dans sa vie privée? Dans sa vie privée? Oui. À vrai dire, je me demande si Percy avait une vie privée. Non, plutôt si, il en avait une. Son bureau, ses spéculations, la bourse. Voilà ce qu'était sa vie privée. Mais ses affaires, elles vous semblaient saines? Ne lui arrivait-il pas quelquefois de prendre des risques au-dessus de ses moyens? Je ne pense pas. Non, sa situation était très solide. Mais je ne peux pas vous en dire plus, il ne me tenait pas au courant des détails. Mais je vois. Nul mystère chez cet homme, nulle menace secrète contre lui, l'édifice était solide. Ah, c'est toujours la même chose avec les gens qui meurent de mort violente. On dirait qu'ils le font exprès pour embêter la police. Mais... Mon inspecteur, si vous n'avez plus besoin de Miss Kiefer, oui. Vous voyez, elle tremble de froid. Je vais l'accompagner à la maison. Ah oui, c'est juste, elle tremble. De froid, naturellement. Mm. Avec ce petit vent, hein, c'est... Eh ben, rentrez vite. Et pardonnez-moi de vous avoir importuné. Moi, je vais continuer ma petite promenade. Non. Non, Pamela, ne courez pas. Gardez votre sang-froid au nom du ciel. Alan. Alan, vous ne croyez pas qu'il se doute de quelque chose? Il y avait une façon de me regarder en m'interrogeant. Ne vous inquiétez pas, ma chérie. C'est son truc habituel. Il fait semblant d'en savoir long pour dissimuler son incertitude. En fait, il patauge. S'il avait une idée sur l'identité du coupable, il ne chercherait pas à connaître la personnalité de la victime. Oh, pourvu que je tienne le coup jusqu'au bout. Courage. Le plus dur est fait. Nous avons fait disparaître les pièces à conviction qui auraient pu vous compromettre. D'autre part, si quelqu'un vous avait aperçu le matin de... Enfin, de l'accident, nous le saurions déjà. Et McLean aussi. Oh, Alan. Vous croyez que j'aurai la force de résister? J'en suis convaincu.
Bon, maintenant, vous allez prendre un bain bien chaud et vous reposer. Oui. Je vous répète que vous êtes sauvée, ma chérie. Qu'est-ce que c'est, Jérémy? Monsieur, on a apporté ce pli pour vous. Comme j'ai vu dessus la mention urgent, je me suis permis de vous le remettre aussitôt. Mais vous avez bien fait, merci. Vous permettez, Pamela? Oui, bien sûr. Jérémy! Monsieur? Qui a apporté ce pli? Ah, je ne sais pas, monsieur. Je suppose que c'est un coursier. Je l'ai trouvé dans l'office. Mais demandez à l'office si personne n'a vu le coursier. Ah, bien, monsieur. Alan. Mais vous êtes tout pâle. C'est terrible. Quelqu'un vous a vu hier matin. Quoi? Oh, c'est incroyable. Incroyable. On dirait que la personne qui a écrit cette lettre vous a suivi pas à pas le matin du drame. Je suis sûr que personne n'a pu me suivre. Et pourtant, c'est clair. Enfin, écoutez. Miss Kiefer est sortie peu après le départ des chasseurs. Elle a rejoint Percelon à la lisière du bois et l'a tué d'un coup de fusil. Mon Dieu. Je vous le répète, celui qui a écrit cela est un témoin visuel. Vraisemblablement l'un de ceux qui nous entourent, un habitant du village ou un de mes invités. Et pourquoi? Pourquoi vous envoie-t-il cette lettre à vous? Parce qu'il doit savoir également que je suis au courant. Peut-être même que je vous ai aidé. Croyez-vous qu'il va nous dénoncer à la police? Non, non. Non, je ne le pense pas. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Notre mystérieux correspondant doit avoir des raisons d'agir comme il le fait, des raisons faciles à deviner. Le chantage. Oh, Alan, vous croyez? Mais alors nous sommes perdus? Nous sommes dans ses mains. À moins que nous ne prévenions tout de suite la police. Ah non, non, Alan, non, pas la police. Je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas. Oh, je préfère mourir. Non, calmez-vous, ma chérie, calmez-vous. Je ne formulais qu'une hypothèse. En fait, je le crois prêt à négocier. Vous voulez dire que vous accepteriez de payer le misérable? Voyez-vous une autre solution? Oh, Alan, c'est moi qui paierai. Je vendrai tout ce que je possède, mes robes, mes fourrures. Les bijoux de ma mère. Oh, pauvre petite fille. Croyez-vous que votre maître chanteur se contentera de quelques centaines de livres? S'il s'est adressé à moi directement, c'est qu'il a l'intention de se montrer gourmand. Je ne peux pas vous entraîner dans une telle aventure. Vous avez déjà fait tellement pour moi. Oh, il vaut mieux que je me... Non, Pamela. Je vous défends de dire des choses pareilles. Je me battrai pour vous jusqu'à la limite de mes forces. Et s'il faut payer ce maître chanteur, je le paierai. Moi, vivant, vous n'irez jamais en prison. Oh, mon chéri. Mais enfin, McLean, pourquoi toutes ces subtilités? Pourquoi ne pas abattre votre jeu, puisque vous avez tous les atouts en main? Ben, précisément parce que je les ai, monsieur le superintendant. Ils vont pas disparaître tout seuls. Oui, sans doute, sans doute. Mais à quoi bon financer davantage? Ah, ça, je ne saurais vous le dire exactement. C'est une question de flair. Je sens que j'ai intérêt à garder le silence encore quelques jours. Mais après tout, rien ne presse maintenant. Et McLean, je ne vous comprends pas. Mais alors là, pas du tout. Ben, monsieur le superintendant, si vous aviez vu la tête que faisaient Alan Higgins et Pamela Kiefer ce matin quand je les ai surpris en train de jardiner dans le parc, vous penseriez comme moi que cette affaire peut encore nous réserver des surprises. Elle n'est pas aussi simple que les faits tendent à le démontrer. Bon, vous êtes entêté comme tous les Écossais. Dans notre damnée profession, l'entêtement est une nécessité, monsieur le superintendant. Voulez-vous me faire confiance encore quelques jours? Bien sûr, puisque je ne peux pas faire autrement. Mais attention, McLean, si vous échouez, tant pis pour vous. Je les laisse encore un peu mijoter dans leur jus. Et il en sortira quelque chose, croyez-moi. Alan, vous avez l'art de détendre l'atmosphère. Ah, c'est vrai. Après l'accident du pauvre Percy, nous étions tous pétrifiés, puis Alan a secoué notre torpeur. Mais ne croyez-vous pas que c'est surtout Miss Kiefer et son sourire angélique qui a rasséréné nos vieux cœurs de célibataires? Ah, oui, j'abandonne volontiers à Pamela la responsabilité de votre bonne humeur retrouvée. Vous en tirez très bien, mon enfant. Et si chacun de nous n'est pas tombé amoureux de vous avant son départ, c'est à désespérer de la vie d'Angleterre. Ah, moi, Pamela, je vous dois déjà beaucoup. Comment cela, Jimmy? Eh ben, mon roman, celui pour lequel mes éditeurs m'ont versé 500 livres d'avance, était en panne. Je suis arrivé ici, désespéré, mais
Je vous ai vu, Pamela, et depuis hier soir, j'ai écrit deux nouveaux chapitres. Ah. J'ai même eu peur de vous réveiller cette nuit, Alan, tant je travaillais avec acharnement. Ah, mais en quoi donc votre travail pouvait-il me réveiller, Jimmy? Hein? Les écrivains n'utilisent pas un marteau pneumatique. Non, non, mais une machine à écrire. Ah. Ah. Comment vous avez une machine à écrire? Bien sûr. Un écrivain d'aujourd'hui ne se déplace jamais sans sa machine. Et j'ai bien fait de l'emporter puisque l'inspiration a jailli. Ah, et vous avez du courage de vous promener avec un aussi lourd instrument. Mais qui parle de lourd instrument, ma machine est une portative dernier modèle qui tient dans ma serviette. En effet, mais... Pamela, qu'avez-vous? Voulez-vous... Voulez-vous un peu d'alcool? Non, je ne me sens pas très bien. Non, mais asseyez-vous, Miss Kiefer. Donnez-moi votre main. Alors, Toubib, qu'est-ce qu'il y a là? Bref, le pouls un peu désordonné. Mais rien d'autre en apparence. Mais comme elle est émotive, cette petite, hein. On parle de machine à écrire et voilà qu'elle tourne de l'œil. Oh, non, je suis vraiment stupide, pardonnez-moi. Oh, Alan. Alan, vous croyez que c'est lui? Que c'est Jimmy Reeves? Non. Non, je ne pense pas. Pourtant, il a reconnu qu'il possédait une machine à écrire. Mais si ça n'était servi pour m'envoyer une lettre de chantage, je ne crois pas qu'il en reconnaîtrait aussi facilement la possession. Il paraît qu'il est couvert de dettes. Son dernier roman ne s'est pas vendu. Oui, je sais. Mais je vois mal un joyeux garçon comme Jimmy devenant du jour au lendemain maître chanteur. D'ailleurs, les machines à écrire portatives sont très répandues. Je suppose que celle sur laquelle la lettre a été tapée doit ressembler à la mienne. Alan. Oui. Donnez-moi une feuille de papier. Tenez. Que voulez-vous faire? Rien, rien, laissez. Regardez. Quoi? J'ai écrit les premiers mots de la lettre. Vous ne trouvez pas que les caractères ressemblent aux autres? Oui, peut-être. Attendez. Nous allons comparer. Bon, ça alors. Pas d'erreur, n'est-ce pas? Non. Non, pas d'erreur. La lettre que nous avons reçue a été tapée sur ma propre machine. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alan. Alan, c'est affreux. Une idée vient de me traverser l'esprit. Ce n'est pas vous qui auriez... Quoi? Vous vous demandez si je me suis envoyé une lettre de chantage à moi-même? Ah, Pamela, vous déraisonnez. Oh oui. Ah oui, je suis folle. Mais je suis soumise à de telles épreuves depuis 2 jours. Un instant, la pensée que vous auriez écrit cette lettre pour que je me sente plus complètement encore liée à vous m'a effleurée. Pamela. Pamela, ma chérie, écoutez-moi. Il faut absolument que vous vous reposiez. Vous êtes à bout de nerfs. Ayez confiance en moi. Hein? Une fois pour toutes. Docteur Godard. Tiens, inspecteur. À quoi jouez-vous, un busquet sous les murs du château? Aux gendarmes et aux voleurs? Non, plutôt au chat et à la souris. En quoi la souris peut-elle être utile au chat? Autrement dit, si vous avez l'intention de me tirer les vers du nez, il faut vous dépêcher, inspecteur. Comme tous les autres invités d'Alan Higgins, j'en gagne Londres aujourd'hui. Oui, ben, parlez-moi un peu de votre cliente, Miss Kiefer, docteur. Ma cliente? C'est beaucoup dire. Miss Kiefer est plutôt une sorte de... relation. De relation, oui, c'est juste. C'est vous qui lui aviez présenté Percy Lowne, n'est-ce pas? Disons qu'elle l'avait rencontré chez moi. Oui, et c'est chez vous aussi qu'elle a rencontré Alan Higgins. Inspecteur, je reçois beaucoup. Vous devez le savoir, puisque vous semblez vous intéresser à mes activités mondaines. Dans ma damnée profession, on s'intéresse à tout. Non, ce que je voulais seulement savoir de vous, c'est si Pamela Kiefer, en dehors du théâtre, vous paraissait exercer un autre état. Non. Non, inspecteur. Non. Pamela n'est pas une call girl, si c'est cela que vous voulez insinuer. D'ailleurs, si elle l'était, vous le sauriez mieux que moi. Hein. Ben, enfin, sans être une call girl, elle aurait pu tout simplement aller à la pêche aux millionnaires. Ben, si Pamela va à la pêche, elle est assez grande pour y aller toute seule. C'est tout ce que vous voulez savoir, inspecteur, parce que je crains que mon temps soit limité. Le train pour Londres, on n'attendra pas. Mais je vous en prie, docteur. Faites un bon voyage. Ah,
À votre prochaine réunion mondaine, inutile d'inviter Miss Kiefer. Elle me semble avoir trouvé son millionnaire. Je ne vous dérange pas, Alan. Je voulais vous faire mes adieux. Ben, vous prenez le train de 13h, je pense. Mon chauffeur va vous raccompagner à la gare. Savez-vous qui je viens de rencontrer? McLean. Tiens, que faisait-il? Trop. Il flairait. Ah. Il me fait penser à un chien de chasse qui hume le vent. Mais nous vous interroger sur Miss Kiefer. Quelle rage a-t-il donc après elle? Oh, le policier cherche toujours la femme, c'est classique. Et puis, peut-être sait-il que Miss Kiefer est sortie peu après le départ des chasseurs, qu'elle a rejoint Percy Lone à la lisière du bois et l'a tué d'un coup de fusil. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez parfaitement entendu, Alan. D'ailleurs, pour le cas, vous m'auriez mal compris, vous pouvez relire la lettre. La lettre? Et comment savez-vous? Ah bah pour la simple raison que c'est moi qui l'ai écrite. Je l'ai même tapée sur votre propre machine. Mais docteur, c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Ce serait en effet une plaisanterie de très mauvais goût si c'était une plaisanterie. Mais le cadavre de Percy Lone est là pour nous aider à garder notre sérieux. Si j'ai pu aussi parfaitement vous innocenter, Alan, c'est parce que je savais qui avait tué Percy. Vous voyez? Tout s'explique. Mais alors pourquoi m'avez-vous écrit cette lettre? Pour vous préparer à la petite démarche que je vais effectuer maintenant. Vous avez l'intention de me demander quelque chose? De vous vendre mon silence. Bah oui, c'est tout ce qui me reste à vendre. Mon cabinet est hypothéqué et l'héritage de mon père n'est plus qu'un souvenir. Savez-vous, docteur, que vous êtes le plus ignoble personnage que j'ai jamais rencontré? Je n'ai pas le choix des moyens, Alan. Je suis embourbé jusqu'au cou. Une chance comme celle que j'ai eue il y a 3 jours, ça ne se laisse pas passer. Ah, parce que vous appelez ça une chance? Oui, oui. Une chance de refaire ma vie, comme on dit dans les mélodrames. Dans 3 jours, je serai au Mexique avec les 20 000 livres que vous allez me remettre. Je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la figure. Non, je vais vous le dire. La crainte que Pamela Kiefer n'aille en prison. Pensez bien que j'ai pris mes précautions pour le cas où il m'arriverait malheur. Et puis, 2 morts ici pour le week-end. Ça finirait par faire jaser. Mais taisez-vous! Alan, cette scène est aussi pénible pour vous que pour moi. Alors je vous offre un marché. Et je crains fort que vous n'ayez pas les moyens de refuser. Vous croyez? Mais après tout, quelle preuve pouvez-vous fournir à la police de la culpabilité de Pamela? C'est sa parole contre la vôtre. La parole d'un homme au bord de la faillite est prêt à tout pour avoir de l'argent. Je possède une preuve que j'avais omis de vous signaler. Le fusil. Le fusil avec lequel Pamela a tué Percy. Ce fusil qu'elle détenait en vertu d'un permis officiel. Eh bien, quoi, le fusil? Je vous ai vu l'enterrer dans le jardin. Je l'ai donc déterré et expédié en lieu sûr. Sans être expert en balistique, vous savez qu'il est très facile d'établir le rapport qui existe entre une balle et l'arme avec laquelle elle a été tirée. De plus, vous qui connaissez Pamela, croyez-vous sincèrement qu'elle résistera à un interrogatoire un peu sérieux? Protégez-vous. Vous êtes un misérable. Vous commencez à comprendre. Au fond, que représente pour vous ces 20 000 livres, pas grand-chose. Et moi, elle me sauve la vie. Ouais. Mais quelle preuve aurais-je que vous ne me réclamerez pas ensuite une nouvelle somme? Je viendrai vous remettre le fusil ici même la veille de mon départ. Disons, après-demain à 5h, voulez-vous? Et comment voulez-vous procéder? Oh, mais légalement. J'ai un grand respect de la légalité. Vous allez donc signer cette reconnaissance de dette, qui porte, comme vous le voyez, la date du 6 novembre 1957. Mais pourquoi cette date et pourquoi voulez-vous que je signe ce papier? Eh bien, cette date correspond à l'époque où j'ai hérité de mon père. C'est pour la vraisemblance. Quant à la reconnaissance de dette, elle me met à l'abri d'une éventuelle plainte en chantage que vous pourriez être tenté de déposer contre moi pour le cas où vos sentiments à l'égard de Miss Kiefer viendraient à se modifier. Faut tout prévoir dans l'existence. Et les 20 000 livres? Oh, bon. Rien ne s'oppose à ce que vous me signiez un chèque. J'ai confiance en vous. Ah, vraiment. Alors finissons-en tout de suite. Voilà. Et que le diable vous emporte. Vous n'y comptez pas trop, Higgins. Disons plutôt à après-demain pour la remise du fusil. Mais ne vous avisez pas de me faire faux bond. Même au bout du monde, je saurai vous retrouver. Bon, soyez sans crainte. Bonjour, je suis honnête. Je suis comme vous. Une victime de la fatalité. Ah, inutile de me faire accompagner à la gare par votre chauffeur. J'avais commandé un taxi, en prévision des événements.
Le salaud. L'immonde salaud. Pamela! Pamela! Alan? Alan, que se passe-t-il? Vous semblez bouleversé. Je viens d'avoir une conversation avec l'homme qui nous fait chanter. Non. Qui est-ce? Vous allez avoir un choc. Godard. Le docteur. C'est pas possible. Mais, si vous l'aviez entendu comme moi, vous sauriez que c'est possible. Il m'a expliqué froidement qu'étant à bout de ressources, il n'avait pas le choix des moyens. Il désire partir pour le Mexique, et sa seule chance était de m'extorquer de quoi y refaire sa vie. Combien vous a-t-il demandé? Donc, qu'importe. De toute manière, je ne pouvais pas vous protéger autrement qu'en acceptant. Ce salaud vous aurait dénoncé à la police. Oh. Alan. Alan, comment pourrais-je jamais vous témoigner ma reconnaissance? Non, ne parlons pas de reconnaissance entre nous, chérie. Je vous aime. Moi aussi, je vous aime, Alan. Et je suis prête à vous suivre. Ma chérie. Dès que ce misérable aura remis le fusil, nous partirons pour le continent où nous nous marierons. Je vais mettre le château en vente. Nous pourrons oublier ce cauchemar que loin d'ici. Alan, vous croyez que vous pourrez épouser une criminelle? Mais vous n'êtes pas une criminelle, Pamela. La mort de Percy était un accident. Il faut vous mettre cette idée dans la tête, une fois pour toutes. Oh, Alan, chérie. Les deux jours que je viens de passer ici, seule avec vous, ont été merveilleux. Au fond, malgré tout ce qui s'y est passé, je crois que je regretterai le château. Alan. Mais vous m'écoutez? Alan, êtes-vous content? Oui, je suis très heureux. Ces deux jours que nous venons de vivre semblent en effet vous avoir transfiguré. On dirait que le poids qui pesait sur vos épaules vous a été ôté. C'est vous, Alan. C'est vrai. Depuis deux jours, depuis la scène atroce avec le docteur Godard, vous avez déployé autour de moi une tendresse si chaude, si attentive. Vous avez été d'une telle générosité. Non, ne dites pas cela, Pamela. Je vous aime. Et je veux vous sauver de vous-même et de vos cauchemars. Je ferai tout pour y arriver. Pauvre cher Alan. Mais pourquoi, pauvre cher Alan, je suis le plus heureux des hommes? Vous êtes tellement sincère, tellement spontané. Vous méritiez une autre femme que moi. Non, je vous en prie, Pamela. Vous êtes celle que j'ai choisie, pour le meilleur comme pour le pire. Mon chéri. Eh bien, c'est bien joli de s'attendrir, mais cette fois, je vais manquer le train. Mais voulez-vous que Jérémy vous conduise jusqu'à Londres? Ainsi, il pourrait vous ramener dès ce soir. Non, non, par ce temps, je préfère le train. Vous écoutez. Puis j'ai tant de choses à faire à Londres, j'en ai au moins pour la journée. Radio. Revenez vite, chérie. Très vite. Il me semble, lorsque je ne vous vois plus, que vous courez les plus grands dangers. Moi aussi, Alan. J'ai peur pour vous, parce que je ne vous vois pas. Oh, chérie. Chérie, jurez-moi que vous ne vous battrez pas avec cet affreux docteur Godard. Non, non, je ne ferai rien. Mais pourtant, Seigneur, ce misérable mériterait bien une bonne correction. Non, Alan, vous m'aviez promis. N'oubliez pas que cet homme nous tient. Tant qu'il n'aura pas quitté le sol de l'Angleterre, je ne respirerai pas bien. Mais pourtant, depuis deux jours, vous semblez respirer parfaitement. Non, ne vous faites aucun souci, mon amour. J'enfoncerai un point dans mes poches. Qu'il me remette ce damné fusil et qu'il s'en aille. Au diable. À la bonne heure. Et maintenant, je me sauve. Au revoir, Alan, chérie. Vous me téléphonez ce soir? Bien sûr. Et vous serez de retour demain? C'est promis. Entrez. Ah, c'est beau, Jérémy. Miss Kiefer est bien parti? Je l'ai accompagné jusqu'à sa place dans le compartiment, monsieur. Bien, très bien, Jérémy. Monsieur, en arrivant, j'ai trouvé dans le hall le docteur Godard. Il souhaite vous voir. Déjà. Oh, c'est bon, faites-le entrer. Merci.
Vous êtes en avance, Godard. Mais je préfère cela, plutôt j'en aurai fini avec vous, mieux cela vaudra. C'est ce que j'ai pensé. Mais vous n'avez pas le fusil? Il n'est pas bien loin. Vous l'aurez dans quelques instants si vous êtes raisonnable. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Godard, je vous préviens que si vous m'avez abusé, je... Vous voulez me parler sur un autre ton, je vous prie. Comment? Vous osez, vous, un maître chanteur? Mais pourquoi pas? Je suis peut-être un maître chanteur, mais vous-même, qui êtes-vous? Le complice d'une meurtrière. Bah, si, allez, finissons-en, que voulez-vous? Avant-hier, en vous demandant seulement 20 000 livres, j'ai gâché la marchandise. Je me suis laissé aller à la sympathie que vous m'inspiriez. Je vous interdis d'ironiser. Voulez-vous m'estorquer une nouvelle somme? Non, je réajuste mes prix, tout simplement. Avec 20 000 livres, la vie que je me referais au Mexique serait bien pauvre. Et que vous faut-il? Rien que 30 000 autres livres. Ça fera 50 000 en tout. Et c'est pas payer cher le bonheur avec Pamela Kiefer. Vous êtes encore plus ignoble que je le supposais. Pourquoi? Parce que je touche à votre or? Ah, 1000 regrets, mon vieux. Le bonheur parfait, ça n'existe pas. Si vous voulez vous offrir la femme de vos rêves, il faut payer. Alors, taisez-vous. Bien sûr, pendant 40 ans, Monsieur Alan Higgins se l'est coulé douce. Hein. Monsieur Alan Higgins a eu tout ce qu'il voulait et pour pas cher. Aujourd'hui, c'est fini. Monsieur Alan Higgins a des ennuis comme tout le monde. Monsieur Alan Higgins doit mendier son bonheur à un pauvre type comme Michael Godard. Godard, taisez-vous. Non, je ne me tairai pas. Il y a des années que je me tais. Il y a des années que vous me prenez pour un imbécile inoffensif. Eh bien, vous avez eu tort, Alan Higgins. Pour la dernière fois, Godard, vous allez vous taire. Vous l'avez eu, votre Pamela, hein? Vous l'êtes offerte, n'est-ce pas? Eh bien, 20 000 livres, c'est pas assez cher pour une aussi charmante personne. Salaud, vous l'aurez voulu. Non, non, Higgins, non, non. Godard, vous m'entendez? Godard! Il est mort. Monsieur Higgins, que se passe-t-il? Un accident est arrivé? Il faut que je voie l'inspecteur McGlynn tout de suite. Eh ben, c'est vous, monsieur Higgins, qui faites tout ce bruit, là? Pouvons-nous aller dans votre bureau? Mais je vous en prie, suivez-moi. Alors, monsieur Higgins, qu'est-ce qu'il y a de cassé? Je viens me constituer prisonnier, inspecteur. Au cours d'une discussion, j'ai donné un violent coup de poing au docteur Godard. En tombant, sa tête a porté sur la cheminée. Il est mort. Ah, et peut-on savoir le motif de la discussion? Oh, c'est vraiment essentiel. Je vous dis que j'ai tué le docteur Godard. Son corps est allongé dans la bibliothèque. Oui, ben justement, à présent, plus rien ne presse. Voilà pourquoi je vous demande pour la seconde fois la raison de votre discussion. Godard me faisait chanter. Sous quel prétexte? Il a fait un faux témoignage devant vous après la mort de Percy Lone. Il vous a dit qu'il ne m'avait pas perdu de vue pendant la partie de chasse. C'était vrai. Seulement ce qu'il a omis d'ajouter, c'est qu'il m'a vu tuer Percy Lone. Parce que vous avez tué également Percy Lone. Oui. Oui, j'étais jaloux de lui, à cause de Pamela. D'ailleurs, vous m'aviez dit vous-même que j'avais un motif. Eh ben, c'est parfait. J'enregistre vos aveux. Mais il est encore une déposition que j'ai besoin de recueillir, c'est celle de Miss Kiefer. Ah non, Pamela n'a rien à voir dans cette affaire. Ah, pardon, elle est le motif du crime. Il me reste à déterminer si votre geste a été prémédité ou fortuit. Et la différence est lourde de conséquences pour vous. Selon le cas, c'est la prison ou la corde. Seule Pamela peut éclaircir ce point. Une confrontation est donc indispensable. Alors vous allez m'accompagner à Londres. Allô, sergent. Voulez-vous prier le superintendant Johnson à Scotland Yard de convoquer pour 19h Miss Pamela Kiefer dans son bureau? C'est ça. Bon, je les rejoindrai moi-même à cette heure-là. Puis d'autre part, allez avec 2 hommes à Doris Menor et demandez au docteur Stone de vous accompagner. Voilà, qu'on ne touche rien jusqu'à mon retour qui aura lieu dans la nuit. Merci. Mettons-nous bien d'accord, monsieur le superintendant. Mm-hmm. Vous continuez à me faire confiance encore quelques instants? Et qu'est-ce que je fais depuis le début de cette enquête? Aujourd'hui encore, vous me faites téléphoner d'amener Miss Kiefer dans mon bureau, j'envoie 2 inspecteurs l'acquérir. J'espère que vous êtes satisfait. Pleinement, monsieur le superintendant. Et vous le serez également dans quelques instants. Miss Kiefer est dans l'antichambre. Elle y est. Et votre prisonnier, qu'est-ce que vous en faites? Je veux aussi le faire entrer. Sergent,
Introduisez Miss Kiefer, après quoi vous ferez venir Alan Higgins. Est-ce que je lui enlève les menottes? Non, gardez-vous-en bien, elles sont indispensables. Écoutez, McLean, je ne vous ai jamais vu l'air si guire. Moi? Ah, bah, vous savez, quand on touche au but, c'est un peu normal. Hein. Oui. Ah. Miss Kiefer, je vous remercie de vous être rendu aussi vite à la convocation de la police. Moyen de faire autrement. Deux policiers m'ont littéralement enlevé, j'étais au milieu de mes bagages. C'est vrai, vous deviez partir pour le continent avec M. Higgins. Mais je crains fort que ce projet ne doive être différé. Voyez. Alan. Les menottes? Mais pourquoi je ne comprends pas? Ben, Miss Kiefer, Alan Higgins s'est passé aux aveux. Il a reconnu qu'il était le meurtrier de Percy Lone. Vous pouvez vous asseoir, Higgins. Mais pourquoi avez-vous fait ça, Alan? Pourquoi? Il le fallait, Pamela. Il fallait en sortir. Alan Higgins, ne croyez-vous pas que la comédie a assez duré? Allez-vous vous décider enfin à me dire la vérité? Je vous l'ai dite. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Eh bien, tant pis, je me passe à l'un de vos aveux. D'ailleurs, on va dire maintenant, j'en ai plus besoin. Mais je reconnais que j'ai été long à comprendre. Oui, qu'est-ce que c'est? Inspecteur McLean, oui. Un message urgent pour vous. Ordonnez, sergent. Permettez, Miss Kiefer. Juste le temps de jeter un coup d'œil, j'attendais précisément un renseignement d'extrême importance. Bon. C'est parfait. Voyons, où en étions-nous? Ah oui. Oui, vous me disiez, Higgins, que vous étiez responsable de la mort de Percy Lone. C'est bien ça? Oui. Alors, voulez-vous être assez aimable pour me raconter les circonstances du drame? C'est très simple. Un accident de chasse, j'ai pris peur. J'ai craint qu'on ne m'accuse de préméditation et j'ai préféré me taire. Une fois engagé dans cette voie, il m'était difficile de revenir en arrière. Oui, c'est pas mal imaginé. Dommage que ce ne soit pas vrai. Non, parce que ce n'est pas vous, Alan Higgins, qui avez tué Percy Lone. Vous cherchez simplement à protéger quelqu'un. Je voudrais bien savoir comment vous pouvez être aussi sûr que je n'ai pas tué Percy Lone. Mais tout simplement parce que personne n'a tué Percy Lone. Personne? Mais il est mort! Oui, il est mort. Il est mort d'un coup de feu tiré par son propre fusil à bout portant. Il a dû glisser, son fusil était armé et le coup est parti. Ce sont des choses qui ne devraient jamais arriver, mais qui arrivent. Vous êtes certain de ce que vous avancez? Oh, absolument. Sur le moment, nous avons examiné les fusils de tous les chasseurs et nous n'avons pas pensé à celui de la victime. C'est ensuite, lorsque l'expertise a précisé que la nature de la blessure rendait presque impossible une intervention étrangère, que j'ai eu l'idée de faire comparer la balle qui avait tué votre malheureux ami avec une balle tirée par son propre fusil. Rayures identiques. Alors, aucun doute possible. Je ne comprends plus. Ben, nous nous trouvions en présence d'un accident. Alors, vous comprenez à présent? Mais non, pas du tout, c'est incompréhensible. Eh ben alors, mon ami, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce que l'accident de Percy Lone avait eu un témoin, le docteur Godard. Avec un rare sens de l'à-propos, il a immédiatement compris tout ce qu'il pouvait tirer de l'aventure. Seulement, pour agir, il lui fallait un complice dans la place. Eh oui, sans ce complice, rien n'était possible. Et ce complice, vous l'avez découvert? Oui, enfin, disons que j'ai attendu qu'il se découvre. Mais c'est pour ça que je n'ai pas livré les résultats de l'enquête. Et j'ai bien fait. Ah non! Ah non, McLean! Comment non? Car si vous aviez parlé plus tôt, je n'aurais pas le sang d'un homme sur les mains, je n'aurais pas tué le docteur! Michael! Vous avez tué Michael. Ah, bah oui, c'est vrai, Miss Kiefer, vous ne saviez pas, ça... Ah, vous savez, les événements ont marché si vite aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vous mettre au courant. Oh, pardonnez-moi, Pamela. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Il n'avait pas tenu ses engagements, il voulait poursuivre son chantage, il m'a insulté, J'ai perdu la tête. Eh ben oui. Ben, il me semble que tout est clair. Ce que je ne comprends pas, Pamela, c'est la raison pour laquelle vous vous êtes accusé devant moi du meurtre de Percy Lone. Eh ben, vous entendez, Miss Kiefer? Monsieur Higgins aimerait savoir pourquoi vous lui avez menti. Michael est mort. Bon, ben, quant à moi, j'ai encore quelque chose à vous apprendre, Miss Kiefer. Pendant que vous étiez en route vers Scotland Yard, nos inspecteurs ont un peu...
visiter votre appartement. Mais ce n'est pas légal, vous n'aviez pas de mandat. On n'avait pas de mandat, oui, je sais. Seulement, ce qu'ils ont trouvé me permettra d'obtenir tous les mandats que vous voudrez. Voilà, c'est la copie d'un acte de mariage en date du 23 février 1958 entre, tenez-vous bien Higgins, entre Michael Godard et Pamela Kiefer. Ils étaient mariés ? Tout à fait légalement. Oh. Oui, j'allais vous informer des résultats de l'enquête concluant à la mort accidentelle de Percy Lone quand j'ai reçu cette nouvelle. Le mystère dont Godard et sa femme entouraient leur mariage m'a fait flairer que quelque chose de pas très propre se préparait. Alors je me suis tu. Et j'ai attendu la première gaffe. Dans ma damnée profession, la patience est le plus sûr moyen d'aller vite. Pamela, comment avez-vous pu vivre avec un tel individu ? Je ne sais pas. Je l'aimais. Il m'aurait fait faire n'importe quoi. Ah ben ça, c'est le cas de le dire, vous a fait faire n'importe quoi. Vous souvenez, Higgins, que c'est chez Godard que vous avez rencontré Pamela pour la première fois. Oui, en effet. Oui, et Percy Lone l'avait aussi connu chez Godard, puis sans doute d'autres gens fortunés. Mais aucun d'eux n'y était allé aussi franchement que vous, mon pauvre Higgins. Ah, alors là, vous étiez le pigeon idéal. Mmh. Et quand je pense qu'à cause d'elle, j'ai tué un homme... Eh bien, j'ai encore une petite surprise pour vous, Higgins. Mmh. Le message que l'on m'a remis tout à l'heure m'informait que Godard avait repris connaissance. Comment ? Oui, oui, oui. Vous l'aviez seulement assommé. Oh. Il est vivant. Oh, Dieu soit. Eh bien, vous l'entendez, Higgins, hein ? Oui. Oui. Moi, je crois qu'à votre place, j'y regarderai désormais à deux fois avant de jouer les preux chevaliers pour venir en aide à une jeune personne aux yeux innocents. Vous avez raison, inspecteur MacLean.